autrice de recueils de poèmes, de romans et de récits, Gabka Kasabova a suscité un enthousiasme unanime lors de la publication par les éditions Marchiali de Lisière, son premier livre traduit en français. Dans la grande tradition du reportage journalistique, Lisière est une immersion passionnante au cœur des géographies du territoire et de l'intime, de la mémoire et de l'instant présent. Son nouveau livre, L'écho du lac, publié en septembre, est un retour aux sources de son histoire maternelle dans les Balkans, sur les rives des lacs d'Orid et de Prespa. Afin d'y briser cette spirale de l'exil qui emporte les femmes de sa famille depuis 4 générations. Kasapova jongle avec les registres et mêle habilement récits familiaux, légendes locales et faits historiques pour mener une réflexion à la fois intime et universelle sur l'identité, celle dont nous héritons et celle que nous façonnons. Portée par une narration virtuose et poétique, Kasabova restitue dans chacune de ses pages de ce voyage intérieur la puissance de ces régions où le présent n'est que la résonance intense d'un passé tourmenté. À travers toute une galerie de portraits, elle interroge l'écho des mondes à la lisière du monde.